J'aime ma rue, la rue du bourg. Moi, je suis le petit nouveau qui vient d'arriver dans la rue. Je suis le patron de Number One. Je viens de m'installer il n'y a pas longtemps, 4 mois. Au niveau de cette ruelle, j'adore. C'est une ruelle ancienne avec beaucoup de charme, à 2 pas du centre-ville de Montée. Et puis, je suis très content de m'installer ici, quoi. J'aime ma rue, la rue du bourg. La rue du Bourg aux Favres, c'est la rue des coiffeurs. C'est la rue, c'est vrai, il y a 4 coiffeurs dans cette rue, mais c'est magnifique. Moi, je trouve ça vraiment beau. C'est une rue atypique. Et je trouve que c'est une rue où il y a ce côté un peu vieilli, mais moderne en même temps. Et puis, ça reste quand même la rue... Ouais, je trouve que c'est quand même la vieille ville de Monté. Hein. Et je pense que c'est peut-être le destin qui a voulu que ça soit que la rue des coiffeurs. J'aime ma rue, la rue du bourg. Alors pourquoi j'ai eu le déclic de venir ici? C'est parce qu'il me fallait une place en fait pour pouvoir travailler. Vu que là où j'étais avant, j'étais à l'avenue de la gare, donc c'était une belle rue qui avait beaucoup de passages. Mais vu que ça a été démoli, j'étais obligé de trouver un emplacement avec de la place. Et puis c'est ici que je l'ai trouvé, dans cette magnifique rue de la rue du Bourg aux Favres. C'est une rue qui a beaucoup d'histoire. Et qui était là bien avant certains quartiers de la ville de Monté. Hein. Beaucoup de gens connaissent la rue du Bourg. Malheureusement, on est un petit peu caché parce qu'on est quand même dans le nord de la ville, hein, en situation avec l'avenue de la gare. Mais ça reste un paradis ici. Hein. Je veux dire, on est quand même en dehors de tout, tout en restant dans la ville. Qu'est-ce qui manque dans cette rue? Il manquerait éventuellement un sushi ou un petit endroit où que ça puisse bouger un peu plus. Avis aux amateurs.